Allez, ça tout le monde, c'est Tajric Pirassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 658 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, je viens de finir de manger. Donc voilà, désolé, il peut y avoir des remontées. Et donc du coup, les amis, souvenez-vous de l'épisode précédent, on s'était attaqué à figer et envoyer valser, voilà, donc avec notre cher Terraqua mode difficile. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'entraînement quotidien Piaf avec Teba, voilà, donc comme ça, moi c'est fait, donc on va évidemment s'y attaquer. Donc du coup, notre cher Teba, qu'est-ce qu'on peut faire avec Teba Ça va être pitoyable, hein. Voilà, et du coup... Ok. Donc on va du coup lock tout ça. Et du coup, écoutez, on y va, hein. On y va. Alors, du coup, l'entraînement quotidien Piaf. On vous a demandé de participer à un entraînement conjoint avec les guerriers Piaf. Combattez les soldats qui se présentent devant vous. Donc on peut voir que du coup, en ennemis principaux, nous aurons du coup des capitaines Piaf, des soldats Piaf et Revali. Et en matériel exclusif à ce champ de bataille, nous aurons du coup des baies, des papillons glagla et des libellules glagla. Voilà, donc du coup, écoutez, on y va. Notre cher Teba. Vous allez voir la puissance des guerriers Piaf. Vous allez voir la puissance des guerriers Piaf. Et du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai une torticolis, les gars, ça fait trop mal. C'est une dingue. J'ai du mal à avoir une position très mal. J'ai certainement dû avoir une mauvaise position pour dormir, mais putain, j'ai ultra mal. Avec le fait de tourner la tête pour vérifier le rendu vidéo, l'enregistrement de la vidéo, c'est horrible. Alors, du coup. Merci. Oh. Tac, tac. Merci. Donc rendez-vous au point de destination. Allez, 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 allez. Oui, niveau 76. Allez. T'es bon, tu meurs, merci. Oh le bâtard. Allez, 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 allez. On dirait que j'ai fait le ménage. Boum. Instant. On a du coup fatal, donc on y va, hein. On y va. Allez, 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 allez. Ok, du coup, normalement, à mon avis, il manquera plus que Revali. Voilà, Revali. Oh le bâtard. C'est bon. Allez, dis-moi que là, on va pouvoir lui faire un petit peu mal. Oh oui, il m'a bien mal d'ailleurs. Arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger. Ah, super. Ok, bon, bah tant pis. Allez, 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 allez. Attention. On a du coup fatal de toute façon, donc... Fatal. Allez. C'est bon, tu meurs. C'est bon, Revali, normalement, il est décédé. Et nous l'avons eu. Bah écoutez, au moins c'est fait. Oh. Parfait. Merci. Notre cher Urbosa. Elle a 3 du 6 heures de Pharas, 12 B,
5 papillons glagla, 11 libidules glagla, 21 fagots de bois et un rapport d'étude de combat. Merci. On commence à gagner quelques rubis. Il nous en faut, de toute façon. Il nous faut des rubis, là. Alors, bah écoute, on va pouvoir s'arrêter là. La lune de sang. Donc il y a deux endroits, il faudrait qu'il y ait la lune de sang. Il nous manque deux endroits, Mipha et Revali. Ok, donc chez Revali c'est mort, et chez Mipha c'est mort aussi. Et évidemment, c'est à l'endroit où on s'en fout un petit peu pour le moment. Aïe, 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 aïe. Bon bah du coup, dans l'épisode prochain, tout simplement, on ira s'attaquer à l'entraînement d'Impa, dans lequel on est obligé de prendre Impa. Donc écoutez, bah, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 658 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du Féo. Et on se retrouve du coup à l'épisode 659. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.